Hey! Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 26. Ouais, je dis pas de conneries. 26 de Majora's Mask. Si je tourne en rond, c'est pour pas qu'on voit l'ouverture du coffre dans la preview de la vidéo précédente en fait. Voilà. Et on ouvre le coffre. La raison de merde. Bon, tout le monde sait ce qu'il y a dedans. Hein. C'est pas vraiment un suspense insoutenable. Hein. Voilà, c'est le bouclier miroir. On peut envoyer certains types de lumière. Et voilà. Et du coup, on peut jarter ça. Ouais, c'est très bugué là. Je sais pas trop ce qui se passe là, mais. Et ça donne quoi ça de le faire du coup? Ah bah oui, ça met l'échelle. Forcément. Ouais, c'est ça. Ouais, l'échelle. Ok. Ah oui, je crois qu'il faudra faire. Ouais. Alors, et maintenant? Nous sommes donc au château Ikana. Aïe. On est passé par le puits pour y aller. Pourquoi les échelons s'illuminent au fur et à mesure que j'avance? C'était très bizarre. C'est en mode badass. Donc on est dans les vestiges. Il n'y a qu'une seule chose à faire dans les vestiges, c'est d'y rentrer. Ah oui, du coup, quand on accédera par dehors via le champ de l'envol, on pourra donc jarter ce bloc avec la source de lumière qu'il y avait de l'autre côté. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça précédemment. Alors. It's fun to stay at the YMCA. Ouais, on peut mettre d'autres musiques, hein. Ça marche très bien aussi, celle-là. Voilà, c'est juste pour le montage. C'est pas mal comme coin pour récolter du fric, hein. C'est pas mal. C'est un grinder à fric. Alors, hop. On active ça. Je sais plus trop par quel côté faut passer en premier, on va passer par celui-là. Alors, y a quoi là-dedans? Des cœurs, ok. Ah oui, il y a une fleur mojo et j'ai vu qu'il y avait un interrupteur au-dessus, donc on va y aller. Nickel. Il me semble qu'il faut retirer une flèche dans le truc parce que je l'ai entendu désactiver de l'autre côté. Voilà, comme ça au moins on est sûr de pas se faire scritcher la gueule hein, par l'espèce de truc en lave. Je sais plus trop comment faut faire pour aller là. Y a pas un truc invisible? Ah bah putain, j'étais très con parce que sur la version 3DS, en fait, je me suis fait chier à sauter là-dessus avec le masque du lapin alors que non, il y avait juste besoin de faire ça, quoi. Boulet, quoi. Je me souvenais plus. Et ça m'était pas du tout venu à l'esprit sur la version 3DS d'utiliser la... D'utiliser le monocle, en fait. Je peux passer comme ça. Ouais. Oh, je peux passer là. Oui. Pas de problème. De souvenir, il y a d'autres momies en haut. Je vais mettre le masque. Enfin, c'est pas des momies, c'est des effrois qui y a en haut. Mais... Alors.
C'est peut-être de l'autre côté en fait. Peut-être de l'autre côté. Alors là, il y a un interrupteur pour baisser les trucs de flamme et aller chercher le quart de cœur qui est là-bas, mais on s'en fiche. Ah oui, c'est vrai, il me faudra ça. Putain. Merde. Il active quoi cet interrupteur déjà? Je me souviens plus du tout là. Trou de mémoire, Erwan. On va voir. Ça va être la surprise. Ok, ça fait apparaître un trou. Oui. Sûrement utile. Ce sera sûrement utile. C'est dingue comment je me souviens pas du château Ikana. Quoi. Alors j'ai fait il y a pas si longtemps que ça sur la version 3DS. Ah, on peut pas passer là. Ah oui, ça l'était aussi sur la version 64 ça. Il y a un avion en papier là. Ah, de toute façon faut qu'on redescende maintenant. Il y a un avion en papier. C'est. Ouais. C'est pas pourquoi, mais il y en a un. Et. On va retourner à Bourg-Clochet, parce que j'ai vu qu'il y avait un truc, on en aura besoin, en fait. J'avais oublié ce point de détail. Il nous faut un baril de poudre. Donc on va en acheter un direct. Je sais pas pourquoi je dis on à chaque fois, alors que c'est je. Mais en fait, c'est pour vous impliquer dans la vidéo. Voilà. Ça doit être pour ça. Faut pas chercher à comprendre la logique du QBA, non. C'est un bon walkthrough que je vous fais, là. Ils sont encore en train de danser, ces pétasses. Ah, quelques petites erreurs, mais bon, ouais, voilà. Quoi. Bonjour, monsieur Dufion. Je suis un gourou. T'es venu acheter un baril de poudre? Ouais. Ah. Donc j'ai dit je suis un gourou. Quoi? J'étais certain d'avoir mis le masque gourou, c'est pas grave. Voilà, bonjour. Je suis un gourou. Par le grand bigoron. Oui. Hop là, 50 rubis d'épuisés. Et on retourne à Ikana. Alors ça choque personne de voir un mec se transformer en Mojo, puis en Goron, puis s'envoler dans les airs grâce à un tam-tam. Non mais sérieux quoi. Moi je serais sur le cul, je pense. Si je vois ça un jour, je fais oh, mais c'est quoi ce bordel? Mais eux non, ça leur paraît normal. Fuck la logique. Ah oui, tiens, tant que je suis là. La fée qui est là. Bah, je vais en prendre une deuxième. Fail! Rien à foutre. Je sais qu'il y a un des boss les plus relous du monde. À cet endroit-là, en fait. Et je voudrais pas le merder. J'avais déjà testé avec un 3 coeurs, c'était extrêmement long. C'était, bah non, c'était avec. Ah non, je l'avais pas fait sur 3DS le 3 coeurs. Bah je sais plus. J'avais testé en 3 coeurs, je me suis fait rect à chaque fois et ça me cassait les couilles. Voilà, comme ça au moins ça me donne 9 coeurs virtuels. Quoi. Virtuellement, j'ai 9 coeurs. Voilà. Donc du coup, je peux retirer ce bloc. Je peux pas le retirer juste comme ça. Voilà. Fallait vraiment viser.
Même si j'appelle pas trop ça visser. Alors, masque de la mamie. Le masque de Claire Chazal. Ça clash Claire Chazal. Ah, faut le dire, c'est une momie cette meuf. Allez, on meurt en même temps. Allez, c'est la fête du slip, c'est la joie dans ton froc. Elle bug pas aujourd'hui les flèches de feu, c'est cool. Même si je prends des précautions en faisant des safe states de temps en temps quand j'en utilise, mais... ça a pas l'air de vouloir bugger, c'est cool. Ah, ils sont là les gogo dancers. Attendez, je vais regarder un petit truc. Je l'avais mis sur quoi ce bouton? Ok, c'était juste. Voilà. C'est juste pour faire ça. C'est con, putain. C'est extrêmement cool. Voilà. Je regardais sur quelle touche j'avais mis le bouton R de la manette. Je l'avais mis sur la touche W du clavier, si vous m'avez pas compris. Ah oui! Le retour de lui. Alors lui, il utilise du bâton de feu, donc on va utiliser sur une flèche de glace. Ce qui est bien avec la map, c'est que quand on regarde le point rouge, on voit d'où qu'il est, quoi. Merde, je vais le frapper en fait. J'ai pas eu le temps. Merci, au revoir. C'était sympa d'être venu. Au moins, tu veux te faire du fric, tu vas au château du Canard, hein. C'est blindé. Hein. Même, tu fais aller-retour dans la première salle et c'est bon. Voilà. La roche est fissurée. À moins que juste faire ça, est-ce que ça marche? Non. Ouais, donc il faut bien le baril de poudre ici. C'est vrai que ça m'a touché là. Ouais. Oh, ce fail de trigger. Alors je savais comment les deux de derrière, je les ai butés plus vite, mais je les ai butés plus vite. Ouais, je suis mode sur. Y a pas des cœurs là? Y a pas de la magie là? Ah non. Ça marche pas à tous les coups. Voilà. Donc on peut buter ce gros bidule. Je vais montrer un petit easter egg du jeu. Avant de rentrer dans cette salle, je vais mettre le home du capitaine. Voilà. J'allais juste comprendre pourquoi. Ah, les
flèches. Y'a pas de la magie là? Si. J'aurais besoin de ça. Petite safety avant au cas où ça crache. Voilà. Donc j'ai mis le haut du capitaine. Je vais avancer tranquillou. Tremblement de terre. Oh, jeune impudent, toi qui as provoqué l'impensable dans ce royaume de désolation et de ténèbres. Mes serviteurs sont tombés devant la lumière qui semble guider tes pas. Je vais montrer deux easter eggs dans cette salle. Quoi qu'il en soit. Les ténèbres qui ont enveloppé mes serviteurs semblent fuir un peu plus à chacun de tes pas. Que tes yeux voient la vérité, que ton cœur s'ouvre à la lumière. Telle est la nature des ténèbres. Oh, graines de pierre, c'est graines de pierre, non? Mais tu es si... petit! J'étais très surpris de ce que tu as fait. Voilà. Alors ça c'était l'easter egg numéro 1, si on met crâne de pierre on a cette petite cinématique. Et l'easter egg numéro 2, si on met le vase de Brême. C'est très très con. C'est une technique comme une autre. Oh. C'est une tactique comme une autre pour le déstabiliser. Hein. Moi je dis ça se vaut. Alors, j'ai ouvert une des... Pardon, toi. Voilà, et j'ai cramé le deuxième rideau. Oh, bon là on voit bien que c'est leur point faible. Hein. J'arrive pas à viser. Voilà, hop là, un au moins. Ça marche plus? Si, si, ça marche toujours. Surprise, motherfucker. Voilà. Et là, ça va être difficile. Sur lui? Non. Faut pas le viser lui comme ça avec le... J'avais souvenir qu'il fallait faire ça. Non. Je sais plus comment on nique. Alors là, j'en ai absolument aucun souvenir.
Viens là. Non, c'est pas comme ça. Putain, comment faut faire? Ok, je piche pas. Ah bah oui, bah c'était comme ça. Okay. Voilà. Bon, c'est bien comme ça qu'on me butait. Hein. Fallait juste le spammer de flèches et de coups dans le dos, c'est tout. Ok. Bon bah voilà. J'ai bien fait de prendre des fées. Tu me gênes, pousse-toi de là, je vais la voir. Moi, je te gêne? S'il nous a battus, c'est uniquement à cause de ton incompétence, gros lent, ne m'accuse pas! Quoi? Répète un peu pour voir, tête d'os. Point. Minam, 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 gros, tête d'os. Voilà. Mais tu vas la fermer? Ah, me regarde pas comme ça, j'étais le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana. Toi, le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana. Alors là, je me meurs. J'aime bien lui faire une voix débile à lui. Dégaine ton épée, guignol. Hein? Hein? C'est devenu un ch'ti. Allez, t'es devenu sourd avec l'âge, t'es dit dégainer ton épée. Comment ça? Ah. Il suffit, bande de crétins osseux. N'avez-vous donc rien compris? Pourquoi je fais la voix de Bob Lennon au truc? Le royaume a été détruit, nous ne sommes plus que des ombres. C'est à cause de petites querelles comme celle-ci que nous en sommes arrivés là. RIP. Faire confiance à vos frères et pardonner leurs erreurs. Ce sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées. Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre. Toi, le porteur de la lumière qui marche dans les ténèbres. Oui. Je suis Igos de la famille Ikana, roi sur le trône du royaume d'Ikana. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu es revenu, quand tu es revivé avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Oui. Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de pierre. Mais cette forteresse est réputée inexpugnable. Même un millier de mes soldats ne suffirait pas pour la prendre de force. Voilà une quête qui est bien trop ardue pour un simple aventurier. Tout courageux qu'il puisse être. C'est pourquoi je vais te donner un soldat. Un frère de combat qui n'a pas de cœur. Un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux. Rappelle-toi de cette chanson. La 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 la. Et voilà. Le dernier chant du jeu. Qui sera utile jusque dans le donjon. Et même dans le donjon lui-même, il sera utile. Vous avez pris l'hymne du vide, c'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à ton image actuelle. Si tu joues cette chanson en portant un masque qui modifie ta forme, tu pourras créer jusqu'à 4 coquilles vides, une pour chaque forme. Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique. Une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie. Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice. Ouais. Salut Ben, allez au revoir. Help!
Bon, on a appris ce truc. Oula, c'est vrai qu'il va y avoir les momies de la mort. C'est trop bien. Ok, bon bah on sort. Oula. Et du coup, on va aller là où on doit aller. C'est-à-dire vers la forteresse de pierre. Très le GG ce coup d'épée. Là c'est la fontaine des fées, donc j'irai plus tard. Hein. J'irai quand j'aurai le bateau. Sauf que on va pas faire ça maintenant. Et non. On va retourner dans le temps. Et oui. Parce qu'on va faire de la quête annexe avant. Et ouais. Et ben, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant. L'épisode 26, je crois. Et sur ce, salut à tous et à la prochaine. Et bon retour dans le temps aussi. Hein. Ça vous fera du bien un petit peu de retourner dans le passé. La 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 la, j'ai perdu 500 rubis.